Euphorie au local de campagne de Sébastien Huyghe ce soir. À la Bassée, le député UMP conserve son siège malgré la vague rose et la majorité absolue du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. C'est sûr que j'aurais préféré que la droite et le centre l'emportent avec une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir continuer les réformes dont notre pays a besoin et surtout faire en sorte que les déficits de notre pays ne continuent pas à perdurer et ne s'aggravent pas. Une victoire très serrée, comme on s'y attendait, moins de 1500 voix séparent Sébastien Huyghe de son concurrent, le socialiste Alain Cacheux, qui doit maintenant digérer la défaite. J'ai déjà connu l'échec, vous savez, c'est souvent plus formateur que le succès. Voilà, tout simplement. Moi, vous savez, j'ai toujours été ces derniers jours très serein parce que tout ce qui dépendait de moi, je l'ai fait. Le reste, après, m'échappe, quoi. Hein. Voilà. La 5e circonscription a donc tenu toutes ses promesses en matière de suspense. Et pour Sébastien Huyghe, c'est une nouvelle étape qui commence. Désormais, il est député d'opposition.